côté l'autre département, nous connaissons les gains pour aller Jacques Mel. À partir des émissions, ça m'a pensé le commencer à entrer en contact avec IIT pour ça. Spa, comment ça y est pour comment Spa fait une Spa aujourd'hui? Attention, allez, Jacques Mel deux fois déjà. C'est mon côté vraiment aimé et en Haïti. On sait, de côté, beaucoup aller, seulement c'est Port de Paix avec Fort Liberté. Très bientôt, on parle Fort Liberté, pour aller de Port de Paix seulement pour me faire 10 départements. Ça me bien ça. Et bon, un peu de monde connaît sous nos spa qui voulait dire Samuel Polydor Axius. Et c'est initial nom. Bon, son nom qui sorti pratiquement en blague. Et parce que l'on initial nom, il fait spa, il bon carrément, tout le monde connaît qui ça spa, c'est pas un spa, et c'est quand tu parles faire massage. Donc, dès qu'on professeur en grec, tu connais tout le monde comme ça. Et puis, nous, autorité, depuis 2011-2012, dans sa autorité. Et puis, maintenant qu'on participe en pile dans l'activité jeunesse, mais c'est mon fondateur d'une organisation jeune qui gagne en Haïti, qui est le World Merit Haïti. Et puis, moi, impliqué dans presque 50 événements qui fait. Et entre 2014-2020, je suis impliqué dans près de 50 événements jeunesse et qui fait et tout partout dans le pays. Donc, en 2010 et en 2017, c'est là que j'ai lancé ensemble avec un blog personnel qui est l'ESPA, qui fait une idée bien simple. J'ai mon petit téléphone dans la main, mon petit téléphone Blue. Et chaque fois que j'allais dans l'événement, j'ai juste mon téléphone pour commencer à filmer l'événement. Commencer à filmer, après ça, j'ouvre l'ordinateur, je cherche et une application, je tombe sur Filmora, et puis je commence à éditer et petit vlog ça sur Filmora. Et puis en 2017, j'ai lancé un blog personnel ça sur Facebook, et puis je viens de faire un peu de feedback, dans mes amis, dans un peu de amis qui m'aiment, ils m'ont fait n'importe 90 minutes à parler sur l'initiative là seulement. Donc, je vois un peu de monde qui aime l'initiative là, c'est dans l'idée, ça me vient. Je viens d'une façon de dire, OK, ce n'est pas supposé initial, non, mais supposé un bail qui est plus inclusif, mais venir ensemble avec trois valeurs, ça y est, qui c'est S là pour smartness, PA pour passion, et puis A pour authenticity. Ça dit smart, passionate, authentic. C'est ça, SPA TV dit à partir de. Alors, non, fin 2017 et commencement 2018. Parce qu'il y a un pile de monde qui est intéressé à projet ça. Et puis, là, on commence à faire des vidéos tout. Il y a l'autre monde qui commence à faire des vidéos intéressantes. Il n'y a pas de si intéressant, parce que ça m'a fait qu'on est à la journée. Et puis, il y a un monde qui commence à contacter, qui commence à où est-ce qu'il ça dans vous-même. Et puis, il y a des projets qu'il a fait. Yo invité ou vin participer dans un projet ça comme volontaire ou bien ou bien un petit chouchou tout et puis vous venez au service ou en vidéographie. Donc ça a une opportunité pour me transformer blog personnel ça en un business. Et en 2018, on a changé le nom de Spa à Spatitude qui carrément vient constituer un business qui aujourd'hui a focus seulement sur les affaires création de contenu, que ce soit live streaming, que ce soit vidéo récapitulative pour événements. Que ce soit en vidéo besoin faire pour vendre business ou vendre service ou tout type de vidéo que nous imaginer. Bon, nous pouvons vraiment entrer dans l'animation. Très bientôt, nous allons entrer dans la vidéo animation. Mais qu'on est là, nous plus focus sur vidéo récapitulative événement. Parce que en pile fois, c'est comme ça que nous commençons. C'est participer dans l'événement et puis faire petit résumé et événement ça, et puis laguer sur Facebook là. Et puis, nous offrir service live streaming tout. Bon. Nous n'avons pas vraiment fait promotion pour ça, mais nous offrons service ça. Et nous faisons des captations pour des entreprises. Et nous offrons service tout en social media. Et c'est ça, nous avons bougé, parce que nous avons avancé. Et puis, moi-même, personnellement, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, sur Facebook avec YouTube. Et bon, il y a des gens qui pensaient qu'ils sont épaves sur Internet, là, qu'ils savent poster des vidéos. Mais on va connaître qui c'est, c'est une stratégie marketing. Donc, je fais des vidéos pour montrer mes compétences là, je vends des têtes, je laisse à mon contact, je